Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes les amis, toutes les familles fanatiques. On TV News qui est toujours connecté ensemble avec nous et qui est toujours là. À chaque fois, nous avons un nouveau numéro pour aider nous commenter l'actualité. Et mes amis, nous venons avec un nouveau numéro pour nous. Comme nous tous connaissons, à chaque fois, nous avons une information qui est importante. Nous toujours faire le maximum, nous toujours faire le nécessaire pour nous porter libre pour nous. Eh bien, nouveau numéro pour porter pour nos amis, c'est le président de la République là. Qui recevra trois nouveaux ambassadeurs dans le palais national. Eh bien, trois ambassadeurs sont sortis dans le pays Inde, Autriche et pays Italie. Mes amis, si ça s'est déroulé dans le palais national, je vais quitter nous pour plus de détails. Mais, comme nous tous connaissons, presque chaque jour, le pays d'Haïti a coopéré. Mais finalement, le pays a toujours été comme ça. Pas j'aime bien rien. Pas j'aime bien rien qui fait. Et ça qui toujours bénéficier, c'est toujours votre pays qui bénéficie, mais nous nous allons bénéficier rien. Alors, nous avons quitté nous tendre, nous avons quitté nous suivre en image pour plus de détails, nous avons pour un nouveau numéro. Merci. Et annoncé là, dans Grand Titio, trois nouveaux ambassadeurs remettent lettre créancier mercredi 8 mai par le président de la République, là, Jovenel Moïse, pendant une cérémonie dans le Palais National. Trois diplomates, c'est ambassadeur République Indland, Mado Setti, ambassadeur République Italia, Massimo Ambrosetti, et ambassadeur République Autriche, Stefan Wenninger. Ambassadeur Sayo fait connaître pays développé bon genre rapport zamitaï avec Haïti pendant yo annoncé yo pral ou l'ouvri coopération dans le domaine agriculture, énergie renouvelable. Commerce avec l'autre encore. Il y a apporté précision dans Miko Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. L'Inde et la Haïti ont une relation très cordiale et très chaleureuse depuis plusieurs années. On a travaillé et collaboré ensemble depuis déjà un bail et on pense qu'on va continuer à le faire. Actuellement, on est en train de réfléchir sur dans le secteur de l'agriculture et de l'énergie solaire. Je viens de dire avec M. le Président de la République qu'un secteur très intéressant, le Président même l'a souligné, est celui de la coopération dans les énergies renouvelables. L'Italie a une grande expertise dans ce secteur, à niveau des grands groupes, mais aussi à niveau des entreprises petites et moyennes. Donc je pense que l'approche haïtienne aux énergies renouvelables est vraiment la bonne approche et nous espérons de pouvoir contribuer avec l'expertise italienne dans ce secteur. L'autre secteur qui nous avons mentionné, et clairement c'est très intéressant, est celui de la mécanisation agricole. Là aussi, je crois que l'Italie a une très grande expertise et nous serons ravis d'explorer toutes les possibilités pour contribuer au développement agricole d'Haïti à travers la mécanisation. Actuellement, un champ très important, c'est ça a à voir avec l'énergie renouvelable. C'est un sujet, et bon, l'énergie renouvelable dans tous ses sens, ça peut être l'énergie à travers l'hydraulique, l'énergie biomasse et autres. C'est un sujet qui préoccupe énormément le président et on pense qu'on va se lancer pour une collaboration bilatérale avec Haïti. Ça va être davantage un partage de connaissances, partage de savoir-faire. Et comme le président l'a mentionné, il y a plein d'expertises qu'on peut partager avec Haïti. Et également tout ce qui est biotechnique, technicité et tout ce qui est tourisme, parce que l'Autriche a une grande compétence dans ces champs-là. N'a quitté pas le national, nous prenons dans le Parlement haïtien sous Bissonnet, puisque nous avons annoncé le tour dans grand titre pour le ministre nommé. Jean-Michel Lapin déjà déposé mardi 7 mai document énoncé politique générale dans le bureau Sénat République dans le cadre préparatif organisation séance sur énoncé politique générale. Sénateur Rigaud Bélizère lui-même qui c'est membre commission qui a travaillé sur dossier pour le ministre nommé, c'est lui-même qui confirme nouvelle ça. Pendant yon l'autre bois, il fait connaître la commission attendant ministre, secrétaire d'État, les non mounsayo, pour capable analyser pièce et puis faire rapport pour capable déposer
devant l'Assemblée sénatoriale pour suite nécessaire. Fédéral confident avec Moïse Oubéja, dans le Parlement, dans ce vieux extrait de la déclaration sénatoriale. Nous avons seulement le bureau et on copie la déclaration politique générale pour le ministre qui est déposée depuis hier. Donc, moi-même, en tant que membre de la commission, qui est dans la sous-commission qui gagne pour travailler au niveau de est-ce que le Premier ministre et le ministre ont payé impôts, nous avons fait pour le Premier ministre, nous gagnons là pour nous aller dans DGI pour nous continuer à faire travail ça pour que d'ici demain, et au cours de la journée, nous prêts avec le rapport final, nous, en façon pour nous présenter le tel que dicté par le règlement intérieur à l'Assemblée des sénateurs. L'obligation nous gagne, c'est au niveau déclaration politique générale là qui pour fête 48 heures. Nous gagnons depuis hier. Ça veut dire nous l'avons délai. Mais pour l'ISM initio, c'est nous-mêmes qui exigeons ça. Pas un délai spécifique pour nous recevoir. Si le président accepte ou bien si le premier ministre accepte tel ministre, il compte qui exigence article 172-2 constitution. Bah, pour que on monte une première ministre, je pense au préalable qu'on travaille qui fait. Nous même travail nous c'est à vérifier si documents qui ont incorporé dans CV chaque ministre, est-ce qu'effectivement ils répondent à exigence constitution 1987 amendée. Nous prenons dans dossier la justice pour mois d'avril 2019 là. Parquet Port-au-Prince a classé 35 dossiers sans suite. Traité 138 Zaka accusation à réquisitoire, voyez 39 dossiers dans le cabinet instruction. Chef paquet Port-au-Prince, M. Paul Irons Villa, présenté bilan ça à mercredi 8 mai. Dans le cadre stratégique qui visait pour capable combattre et détention préventive prolongée dans la juridiction liée, chef paquet a fait connaître. Pour mois d'avril, la prison civile là réduit entre 3396 prisonniers et puis sorti mois de décembre 2018 pour capable arriver par avril 2019 là paquet a traité 596 dossiers en total. Maître Paul Erons Villa t'a bay plus explication dans micro Sainte-Croix paki ak Moïse Rubich. Pour nombre de dossiers traités de manière générale en acte d'accusation de décembre, nous prêtons serment, à nos jours, il remonte à 396 dossiers qui sont classés sans suite, 396 dossiers qui sont allés au cabinet d'instruction, 396 dossiers qui sont allés au tribunal correctionnel. C'est le chiffre total, ça, mis à part le chiffre nous baille chaque mois, total dossiers qui sont traités. Pendant 4 mois, nous passons dans tête paquet, hein, les 596, sans ne pas compter réquisitoire définitif et acte d'accusation. Donc 596 dossiers, imaginez, en 6 mois, nous avons 40 seulement. En 4 mois, nous avons 596. Nous ne pouvons pas féliciter tête, non, parce que nous là pour le travail. Il y a deux personnes qui ont dit, c'est travail, non? Oui, c'est exactement le travail d'un parquetier. Le travail d'un commissaire du gouvernement nous dit si on moun commissaire du gouvernement, prison pas intéressé, détention pas intéressé, dossier qui n'a pas qui a pas intéressé, ou pas réglé en rien que sérieux. Depuis 10 ans, pour la première fois, taux de détention préventive prolongé, dans la prison civile Port-au-Prince, passé dans le chiffre 3. Nous ne pouvons jamais fêter. En mars 2019, il est passé à 3856. Et avril 2019, nous avons 3396. Nous avons une tendance à la baisse. Et si nous suivons la même trajectoire, ça, nous avons dit qu'il n'est pas trop loin encore pour nous atteindre le chiffre 2000. N'a pété justice, nous prenons l'éducation, ministère éducation nationale, avec formation professionnelle en tête collée, avec conférence recteur président et puis dirigeant diverses institutions supérieures dans le pays, lancé. Aïe, mercredi 8 mai, nous assise sur enseignement supérieur
qui déroulé sorti 7 pour botan 9 mai qui venu là dans hôtel Marriott. Moderniser enseignement supérieur dans pays d'Haïti, c'est un baptême ça assise si là a déroulé dans l'idée pour capable sensibiliser acte yo et puis travailler sur réforme enseignement supérieur ya par boy site et Disinewis à Bergeline Clairvaux a dit non plus. Assis ça yo son enseignement supérieur à recherche ministère éducation nationale à formation professionnelle a réalisé dans tête collée à Corpua AUF. C'est une opportunité pour relancer des bails sous modernisation enseignement supérieur et puis engager chantier restructuration corpua d'après initiateur yo. Responsabilité quoi assisa yo c'est une occasion pour différents acteurs yo garder ensemble problèmes et défis qui présentés dans secteur enseignement supérieur haïtien pour aboutir à une vision partagée dans question réforme sous secteur ça. Ces assises poursuivent trois grands objectifs. Contribuer à la rénovation de la gouvernance de l'enseignement supérieur en Haïti en considérant les aspects sectoriels et institutionnels, examiner les conditions de promotion de la recherche innovation au sein des institutions haïtiennes d'enseignement supérieur, favoriser un partage d'expériences pour ce qui est des missions de l'organisation et du financement des conférences de recteurs et de présidents d'institutions d'enseignement supérieur. Directeur régional AUFLA, Saulo Neiva, souhaite assister au permis de jeune piste qu'a facilité l'avancement approbation qu'a dégal enseignement supérieur à une condition indispensable à la modernisation secteur ça. La loi sur la reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience qui a été votée par le Sénat l'an dernier, tandis que la loi sur la modernisation de l'enseignement supérieur, qui a été approuvée par la Chambre, nous attend toujours, depuis quelques mois, la Chambre des députés attend toujours le vote de la part du Sénat. Donc nous espérons vivement que ces assises soient un moment de réflexion riche, deux journées de réflexion, qui nous permettront de trouver les pistes essentielles pour avancer dans l'approbation de ce cadre législatif, pour accélérer la mise en place de ce cadre légal qui est une condition indispensable à la modernisation qualitative de l'enseignement supérieur et de la recherche. Représentant ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, la renouvelé engagement autorité pour appuyer le développement secteur enseignement supérieur à dynamisation recherche dans le pays. Tous ces efforts traduisent une dynamique de changement majeur et de réformes stratégiques afin d'orienter l'enseignement supérieur selon les normes standardisées. Dans cette perspective, le MEDEF a participé en novembre 2018 et en mars 2019 à la réunion intergouvernementale de la Convention nationale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Cette convention sera bientôt soumise à la ratification du Parlement haïtien. Il s'agit d'un cadre réglementaire qui permettra de réduire les obstacles rencontrés au niveau de la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs en dehors de leur pays d'origine. Un cadre pour renforcer le partenariat entre MUNFP, Corpua et partenaires national et international enseignement supérieur haïtien. Recommandation pour faire avancer le dossier rénovation gouvernance enseignement supérieur dans divers aspects. C'est pas mis à tête initiateur dans le cadre déroulement à 6 jours. N'a toujours été dans le dossier éducation, direction départementale. L'Ouest a rappelé candidat Ricardo Filoyo. Inscription pour deuxième session bac permanent à bout vendredi 10 mai 2019 là. Donc demain c'est mon Dieu. Le ministère a fait tout recalé sorti dans l'année 2016 pour arriver 2018 qu'on est y a capable conserver notre yoté gagné yo. Pièce pour gagner dans moment inscription c'est qui s'allier. Il y a bien pour capable présenter original affiche dernière participation yo au sinon relevé notre ministère bayo des photos identité qui pas fait en longtemps et puis 1500 gourdes message inscription yo il y a bien pour capable aller dans lycée et Pétionville dans lycée jeune fille lycée Toussaint Louverture
Et puis, dans le niveau Delma, il y a bien pour capable d'aller dans l'Immaculée Conception, qui est dans Delma 11, avec l'école chrétienne qui est dans Delma 28. Pour Kafou, Léogane, Tigouave, Gangouave, Akaye, Cabaret, Akakwa de Bouquet, c'est dans le bureau district scolaire Zone Sayo, élève Sayo, a gagné pour faire inscription. Organisation Agir pour la jeunesse qui est possible à projet, organisé mercredi 8 mai, une journée de réflexion sur la constitution haïtienne. Mon qui était intervenant dans le cadre de la conférence là, c'est Milanda Hippolyte Maniga avec le député Jerry Tardieu. Esaïe Aurélius avec Max Joseph, tu es sur place, il y a présenté nos contrats. Devant une assistance qui formait pour plus avec jeunes étudiants et puis élèves l'école, intervenants ont été élaborés sur une quantité de points qui concernent la constitution haïtienne. C'est une démarche pour permettre aux participants d'informer et puis impliquer. Dans le débat qui a fait sous maman loi pays, question application, instabilité constitution provoquée avec réforme constitutionnelle, tenant mi-temps débat. Chacune de ces collectivités territoriales, il y a un conseil, comme par exemple pour la section communale, il y a le CASAC, il y a une assemblée qu'on appelle ASAC, mais un petit peu plus haut, nous avons le conseil municipal. Puis nous avons une assemblée municipale. Pour les départements, nous avons un conseil départemental qui n'a jamais fonctionné. Et nous avons une assemblée départementale qui est aussi virtuelle, qui n'existe pas. Et nous avons un conseil interdépartemental qui rassemble des représentants des 10 assemblées départementales et qui est chargé de voir avec l'exécutif comment procéder pour mettre en œuvre une politique de développement économique, social, commercial dans le pays. Député Thierry Tardieu, qui est tout président de la commission parlementaire qui travaille sur la réforme constitutionnelle, là, présenté dans l'occasion, il y a un ensemble point qui montre la nécessité pour la constitution à amender. Il souhaite que les collègues parlementaires prennent en considération ensemble proposition que la commission en fait. Nous avons arrivant chercher régime politique haïtien. Sacla pas marché. Sacla bout. Sacla pas mort. Ma connaît à la réalité historique, sociale, culturelle. Ça est important. Amendement, ça est une commission proposée. Son nouvelle constitution proposée, mais à travers les amendements. Parce que dans le noyau, dans tout corps, à partir du moment où on ne bouge pas au caractère républicain et démocratique de l'État, pour y avoir dans tout corps du pays, on va voir qu'il m'a connu avec la réalité avec des capteurs de l'humain. Activité ça fait partie d'une ensemble l'autre organisation Agir pour la jeunesse, APOGE, à réaliser dans quatre missions qui visent supporter la jeunesse.